Bonjour à tous, comme d'habitude, on va laisser une petite minute, peut-être moins, aux autres pour qu'ils arrivent. Très bien, j'espère que vous allez bien. C'est samedi, et samedi, normalement, c'est assez sympa. Donc, je vais regarder qui est là. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème pour l'affichage sur la vidéo du stream, ou en tout cas des commentaires. Donc, je vais regarder. C'est peut-être le problème technique, encore une fois. Yossi est avec nous. Bonjour, Yossi. Béatrice Christiana est là aussi. Bonjour. Rita Assor est là. Curiosidades est là aussi. Luciana est là. Olga Ruiz est là. Victoria Posse est là. Widad est là aussi. Nouha est avec nous. Salut! Hala Ahmed est là aussi, Ankan Basu est là, Maria Betania aussi, MNM19 est là, Leila est là, Zenepin est là, Daria est avec nous, Arpan est là aussi, Maria Madalena est là, Kanshan est là, Bikert, Surya, I Just Called et Papillon 97. Bah écoutez, ça fait plaisir, très très plaisir de vous retrouver. Et puis, ben, comme d'habitude, nous allons commencer avec... Alors oui, c'est vrai. Comme j'ai expliqué au cours cours précédents, c'est-à-dire débutants et... Alors attendez, bien sûr, ça bloque maintenant. C'est formidable, la technologie. Donc débutants et intermédiaires... il y aura une nouvelle série que j'avais envie de faire. Et donc l'idée est simple. Je vous propose, si vous voulez, d'enregistrer une vidéo dans laquelle vous prononcez la phrase de la semaine. Ensuite, vous m'envoyez cette vidéo à l'adresse pronounce@fluent2plus.com. Et puis, je ferai donc avec vos clips... Et puis moi-même, je me mettrai dans la vidéo pour vous donner quelques petits conseils pour essayer de corriger ou d'améliorer votre prononciation. D'accord ? Donc la phrase de la semaine, eh bien, c'est « Je voudrais visiter la France, mais c'est difficile en ce moment ». D'accord, donc l'idée c'est de m'envoyer la vidéo de vous en prononçant cette phrase et puis après ça je ferai une petite compilation et je donnerai quelques conseils pour bien prononcer la phrase mais surtout les différents sons. D'accord, si ça fonctionne bien, ben on pourra continuer cette série pendant un certain temps. Voilà. Mais en tout cas, donc on va commencer maintenant avec notre première rubrique. Alors, c'est la question du jour. Et la question du jour, c'est quand j'étais enfant, je voulais devenir, dites-moi quelle profession vous vouliez faire et puis pour quelle raison ? Parce que... Donc, je vais vous donner une petite minute et puis je vais essayer de régler le problème technique avec l'affichage de vos textes. Merci.
Alors, nous commençons avec Daria. Et Daria nous dit « Quand j'étais enfant, je voulais devenir un professeur de langue étrangère, couturière ou professeur de danse. » Ben ça, c'est très très chouette. Luciana qui nous dit « Quand j'étais enfant, je voulais devenir journaliste international parce que je voudrais voyager partout dans le monde. Mais je suis médecin. » c'est un voyage, mais c'est un voyage intérieur dans le corps humain. Ah, mais c'est un voyage, hein. Maria Maddalena, quand je voulais me faire écrivain parce que je m'amusais toujours en lisant beaucoup de romans. Ah ben c'est vrai que c'est la même chose, hein. Les romans, ça fait voyager. Surya, quand j'étais enfant, je voulais devenir un chanteur parce que j'aime bien chanter. Très bien. Yossi, quand j'étais enfant, je voulais devenir un médecin parce que mon père avait travaillé dans un hôpital, mais pas comme médecin. Merci. Kanchan, je voulais devenir un danseur parce que j'aime danser. Très bien. Victoria Possé, quand j'étais enfant, je voulais devenir une professeure de gymnastique. J'aime beaucoup le sport. Très bien écrit, Victoria. Papillon 97, quand j'étais enfant, je voulais devenir cosmonaute parce que j'étais fasciné par l'espace. Très bien. Nouha, quand j'étais enfant, je voulais devenir, alors attendez, une policière parce que ce métier, ah parce que j'aime ce métier et pour avoir le pouvoir. Mais malheureusement, je suis devenu économiste. Quel dommage. Ah, mais vous êtes une sorte de pouvoir sur l'économie peut-être. Luciana, c'est vrai professeur, d'accord. Maria Bethania, quand j'étais enfant, je voulais devenir écrivain parce que j'aime beaucoup lire. Très bien. Curiosidades, je voulais devenir ingénieur électricien parce que l'électricité est un sujet intéressant et couvre d'autres domaines tels que la robotique, l'automatisation ou l'électronique, entre autres. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ice Cube, quand j'étais enfant, je voulais devenir une actrice parce qu'elles étaient toujours à l'écran et tout le monde les connaît. Ankan, quand j'étais enfant, je voulais devenir ingénieur parce que mon père est ingénieur aussi. Très bien. I just called, quand j'étais enfant, je voulais devenir détective parce que j'aime les histoires et séries policières. Oui, et c'est vrai que détective, c'est assez passionnant comme idée, en tout cas de profession. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Apparemment, le problème technique continue. Je ne sais pas. Mais nous allons continuer notre cours. Nous sommes plus forts que ça. Allez, on passe à la rubrique suivante.
La pensée du jour. À quoi cette photo vous fait penser? C'est-à-dire que vous pensez à quoi quand vous voyez cette photo? Regardons, puisque c'est toujours un grand mystère pour moi ce qui se passe avec cette machine. Ice Cubes nous dit « C'est une femme qui aime voler comme moi ». Écoutez, très bien écrit. Ankan, je pense que la fille dans cette photo est très sportive. D'accord. Bickert, je vois la liberté d'une femme et la solitude dans la vie. MNM19, le courage, la volonté, la liberté. Très bien. Zenepine qui nous dit, moi je pense que ça vous fait penser à voler. D'accord. Nouha, cette photo m'a fait penser à garder l'effort et la patience pour surmonter à l'autre place, pour avoir un objectif ou mon objectif. Très bien. Ritu qui nous dit, une jeune femme sportive qui s'entraîne. Hein, on utilise plutôt le verbe s'entraîner. Luciana qui nous dit, le grand saut. Attention, S-A-U-T, dans la vie. Mouskan qui nous dit, attendez, je peux voir un athlète courir. D'accord. Maria Madalena, cette femme veut peut-être voler. Oui, veut Maria, M-V-E-U-T. Hein. Victoria Possé, quand je regarde la photo, je pense que j'aimerais faire ce saut. Oui, je crois qu'on voudrait tous faire un saut comme ça. Papillon 97, cette femme saute dans le Nil. C'est vachement amusant, mais peut-être qu'il y a des crocodiles. Très bien. Maria Betania, je pense que la fille est dans une situation très dangereuse. Elle fuit quelqu'un. Ah. Béatrice Christiana qui nous dit, quand je vois cette photo, je pense à la liberté que nous tous essayons d'avoir un jour, d'atteindre un jour. Très bien écrit. Oui, Dad, elle me fait penser à la liberté et l'aventure. Très bien aussi. Curiosidades, pour moi, cette photo représente la liberté et représente la réalisation de nos objectifs pour atteindre le sommet.
Très bien. Soso Yoso qui nous dit bonjour, bonjour. Yossi qui nous dit la femme qui saute dans l'eau. Est-ce qu'elle saute dans l'eau? On ne sait pas. Daria, je vois une jeune femme sportive qui saute. Elle est très courageuse et forte parce qu'elle... Alors attendez, parce qu'elle sait que le sport est l'un des meilleurs moyens et qui lui permet de rester jeune, en bonne santé et de bonne humeur. I Just Called qui nous dit, il y a une femme athlétique qui saute haut et elle a l'air de voler. Oui. Alors attendez, Maria Madalena, je vois la légèreté. Ah, je la vois légère comme l'air, pardon. Surya, c'est une femme qui est en train de pratiquer pour devenir Dora l'exploratrice. Ah, ça me rappelle quand ma fille était petite. Dora l'exploratrice. Des bons souvenirs, des bons souvenirs. Ensuite, Lisbeth qui nous dit, c'est moi tous les matins. Faites attention, Lisbeth, si vous sautez comme ça peut être dangereux si c'est tous les matins. Acter, je pense que la femme vole, c'est vrai. C'est vrai qu'on a l'impression qu'elle vole. Taqua qui nous dit, les sportifs, une femme qui marche par une corde. Vous voyez une corde? Ça, c'est intéressant. Alors, Soso Yoso is asking, can anyone talk in English? Well, we're not using English, Soso Yoso, because the lessons in English are on Monday, Tuesday, and after that on Thursday and Friday. So it means that on Saturday we're not using English at all. I'm sorry about that, but you can come on Monday, Tuesday, yeah, and then after that. Tuesday, so it will be Thursday and Friday. Sorry. Alors, Maria Esquivel, cela me rappelle les temps plus simples avant la pandémie où nous pouvions encore profiter du plein air sans nous inquiéter. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Ben, merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup pour vos textes, c'est très sympathique. On va continuer avec la prochaine rubrique. Alors, c'est la douceur du jour, avec toujours le mystère de vos messages qui ne s'affichent pas, mais bon, c'est pas très très grave. On va faire notre cours tranquillement. Donc, comme vous le savez, nous découvrons, ben, en tout cas, nous essayons de découvrir des choses assez délicieuses. On a fait de la pâtisserie, là, on va découvrir, je ne sais pas si vous connaissez la praline. Alors, la praline, nous allons la découvrir en trois phrases. Je vais lire ces phrases et vous allez, bien sûr, écrire les mots qui manquent. Première chose. Une praline est un bonbon constitué d'une amande ou d'une cacahuète enveloppée de sucre cuit. Une praline est un bonbon constitué d'une amande ou d'une cacahuète enveloppée de sucre cuit. Alors, nous étions à la recherche de trois choses ici. La première chose, eh bien, c'est un adjectif, donc constitué.
Ici, bien sûr, l'adjectif est créé à partir du participe passé du verbe constituer. Donc constituer, ici, vous allez le mettre au masculin, puisque c'est connecté directement à bonbon. Donc constituer, accent aigu, à la fin. Ensuite, la deuxième chose, eh bien, c'est un substantif et c'est amende. Amende, vous voyez qu'on écrit ça avec un A, c'est-à-dire A-N. Hein. A-M-A-N-D-E. Une amende. Et la dernière chose, ben là aussi c'était un substantif et c'est sucre. Alors pour votre information, sucre c'est masculin, le sucre. D'accord? Donc on l'écrit S-U-C-R-E. Très bien, regardons la deuxième chose concernant la praline. Ce sucre cuit peut être teinté et parfumé de diverses manières. Ce sucre cuit peut être teinté et parfumé de diverses manières. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Eh bien, alors là, vous remarquerez que regardez tout ce que je fais comme travail. Apparemment, ça va marcher, je ne sais pas. En tout cas, revenons à ce qui nous intéresse. Ici, nous étions à la recherche de trois choses. La première chose, eh bien, c'est, comme vous le voyez ici, un adjectif qui, encore une fois, est basé sur le participe passé du verbe cuire. Donc le verbe c'est cuire, C-U-I-R-E, et l'adjectif qui est donc le participe passé c'est cuit, C-U-I-T. Ici on le garde au masculin parce que ce sucre, eh bien c'est masculin. Ensuite, on avait parfumé. Alors parfumé, vous voyez qu'on l'écrit là aussi au masculin, puisque c'est toujours le sucre. Et la dernière chose, eh bien, c'était manière. Alors manière, faites attention parce que on utilise ici, comme vous voyez, diverses. Donc diverses, vous voyez clairement que c'est le pluriel. Et donc manière doit être au pluriel. Regardons maintenant le
troisième chose concernant la praline. Diverses recettes utilisent la praline sous ses différentes formes. Diverses recettes utilisent la praline sous ses différentes formes. Alors, apparemment, ça marche. Donc là, nous sommes opérationnels techniquement. Donc, nous pouvons entièrement nous consacrer au contenu. Donc, regardons ici. Alors, ici, en fait, nous avons l'adjectif qui est l'adjectif « diverse ». Alors, c'est intéressant parce qu'ici, « diverse », eh bien, il est au féminin pluriel. Hein, puisque « recette », eh bien, c'est un mot qui est un mot féminin, et donc ici c'est pluriel. Donc diverses, D-I-V-E-R-S-E-S, diverses recettes. Ensuite, eh bien c'est le verbe utilise, hein, donc utiliser que vous conjuguez à la troisième personne du pluriel, donc utilise E-N-T. Et puis la dernière chose, eh bien encore une fois un adjectif, et là l'adjectif doit être au féminin pluriel, puisque forme est un mot féminin, et donc il est au pluriel, différente, donc T-E-S. Allez, regardons ensemble les trois choses concernant la praline. Et s'il vous plaît, lisez avec moi à voix haute. Première chose, une praline est un bonbon constitué d'une amande ou d'une cacahuète enveloppée de sucre cuit. Deuxième chose, ce sucre cuit peut être teinté et parfumé de diverses manières. Troisième chose, diverses recettes utilisent la praline sous ses différentes formes. Et voilà, elle pense à quoi? À quoi pense-t-elle? À votre avis, à quoi pense cette jeune personne? Allez, une petite phrase, s'il vous plaît. Thank you.
Alors, je regarde. Alors, Stéphanie nous dit une femme beau. Bah, alors, faites attention parce que c'est une belle femme. Mais là, ça n'était pas la question. Alors, Nouha qui nous dit, elle pense à une vie rose et belle, la joie et la liberté. Très bien. Luciana qui dit, elle ne pense à rien. C'est possible, c'est possible. Elle a désactivé le mode de pensée. Maria Maddalena, elle pense à se reposer au bord de la piscine. Lisbeth, elle pense dans la tranquillité du moment ou de ce moment. Très bien. YouTube Browser, elle pense à ses vacances. Ouais, faites attention, pas au, mais à. Hein. Au, c'est quand vous allez combiner à avec les. Oui, Dad, les vacances vont bientôt se terminer. Il m'en faut bien. Alors ça, je n'ai pas compris, Oui, Dad. Il m'en faut bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ensuite, Victoria, elle pense à se colorer les cheveux ensuite. Quelle couleur, peut-être? Zeynep, pardon, c'est une belle femme, oui. Ankan qui dit, elle pense à poster un selfie sur Facebook, c'est possible, c'est possible. Elsa, elle pense que rester comme ça sous le soleil va lui permettre de prendre de la couleur. Ça, c'est vrai, c'est possible. Maria Bethania, elle pense que la vie, attendez, oui, que la vie est belle pour profiter de tous les moments. Ouais, profiter, Maria Bethania, F. I, hein, fififi. Ritu, elle pense qu'elle est très belle et elle veut peut-être se reposer. D'accord. Bickert, je pense qu'une belle jeune femme. Attendez, je pense une belle jeune femme. Elle porte des lunettes. Elle a des cheveux verts. Elle se repose à côté de la piscine. Oui, Bickert, mais l'idée c'était à quoi elle pense, hein. Mais c'est pas grave. Sapna. Peut-être qu'elle pense qu'aujourd'hui je m'habille bien et personne ne me prend en photo. Oh, la pauvre Daria, cette dame pense qu'il est grand temps d'arrêter d'expérimenter avec son image. Et elle est sur le point de s'occuper de choses sérieuses, comme trouver un bon emploi et s'installer. Victoria Posse, elle pense, je vais mettre mes lunettes pour le soleil. Oui, c'est possible. Béatrice, elle pense peut-être aux grandes vacances, à la plage, à la belle-mère. Voilà, oui, cette liberté lui manque beaucoup. Très bien. Ngoc, elle pense aux choses à faire à la piscine. Oui. Yossi, cette jeune femme qui se repose probablement dans la piscine ou au bord de la piscine. Pense à ce qu'elle va faire le soir. Très bien. Papillon, est-ce que le soleil va m'aveugler si je retire mes lunettes? Ça, c'est une bonne question. Et c'est peut-être ça qu'elle pense. Marlène, elle pense à tous ses amis qui doivent travailler pendant qu'elle est en vacances. Ça, c'est aussi possible. I just called. Aimez-vous mes cheveux? Oui, j'aime bien la couleur. Johnny, elle pense à moi de temps en temps. Johnny est un homme modeste. Oui, Dad, il faut bien profiter, d'accord? Curiosidades, elle pense que nous devrions profiter des moments de la vie et oublier les choses qui nous stressent de temps en temps. C'est possible. Sonia, bonjour Sonia. Alors attendez, t'as quoi? Elle pense qu'elle est très jolie, peut-être. Alors, pour Nima, une belle femme qui veut gagner 75. Ah, le cadeau. Peut-être qu'elle pense qu'elle va gagner le cadeau. Mais elle aura du mal. Elle aura du mal parce qu'elle ne participe pas à notre cours. Allez. Alors, vous le savez, c'est un petit peu de conjugaison parce que c'est nécessaire de faire de la conjugaison. Le verbe du jour et aujourd'hui, ce sera le verbe lire. Alors, comme vous le savez, niveau avancé, ça veut dire que nous allons scanner les trois
mode, c'est-à-dire l'indicatif, le conditionnel et le subjonctif. Donc, nous allons tous les voir. Bien sûr, l'idée, c'est de se concentrer pour l'instant uniquement sur la première personne, sinon ce serait trop long. Donc, nous allons commencer avec le présent, bien sûr, et la première personne, je. Alors, le verbe lire, première personne, je au présent. Écrivez la forme. Écoutez, pour le moment, tout est formidable. Regardez, vous participez très activement. La technique, ça marche bien. La musique, ça marche. Donc, tout est formidable. Effectivement, le verbe lire, première personne, eh bien, du présent. Donc, c'est je lis, LIS. Donc, le S final n'est pas prononcé, hein. Je lis, tu lis, c'est la même forme. Il, elle, lit, LIT. Phonétiquement, c'est pareil, mais on écrit LIS, LIS, LIT. Ensuite, nous lisons, vous lisez, ils, elles lisent. ENT. Allez, on continue avec le futur simple, s'il vous plaît. Toujours la première personne, merci. Alors là, je vois qu'effectivement, tout semble clair pour vous. Donc nous sommes d'accord que ici, notre infinitif, eh bien, nous allons retirer le E final. Nous obtenons LIR. Et donc ça, ce sera notre base, notre racine ou notre radical. Et ensuite, nous allons ajouter la terminaison pour le futur. AI pour la première personne, je lirai. D'accord? Tu liras AS, il, elle lira A, nous lirons ONS, vous lirez EZ, ils, elles liront ONT. Ensuite, regardons le passé composé toujours la première personne. Merci. Alors apparemment tout va bien. Nous sommes d'accord que le passé composé hein, dans notre liste, c'est le premier temps composé. Donc la question c'est est-ce que nous utilisons avoir ou être? Eh bien lire va utiliser l'auxiliaire avoir. Donc nous mettons avoir au présent j'ai et ensuite nous allons mettre le participe passé du verbe lire. Alors le participe passé du verbe lire est très très court puisque c'est deux lettres, LU.
D'accord? J'ai lu, tu as lu, il, elle a lu, nous avons lu, vous avez lu, ils, elles ont lu. Avec la liaison, ils ont lu, elles ont lu. Très bien. Nous continuons joyeusement avec l'imparfait. Alors, apparemment, tout est clair pour tout le monde. C'est bien, oui, je regarde en même temps. Donc, ici, notre radical, ça va être L-I-S. Donc, lise. Et ensuite, vous allez mettre les terminaisons. La terminaison pour la première personne, c'est A-I-S. Je lisais. D'accord? Je lisais, tu lisais, il, elle lisait. Donc A-I-S pour je, A-I-S pour tu, A-I-T pour il, elle. Nous lisions, vous lisiez, il, elle lisait, A-I-E-N-T. Allez, nous continuons avec le deuxième temps composé de notre liste, c'est le plus que parfait. Alors là, effectivement, donc temps composé, ça veut dire que nous utilisons toujours, eh bien, l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir sera à l'imparfait, j'avais, et nous utilisons ensuite notre participe passé, lu. J'avais lu, eh bien, c'est la forme du plus que parfait. Regardons ensuite le troisième temps composé, eh bien, c'est le futur antérieur. Première personne, s'il vous plaît. Alors, nous sommes d'accord que là, c'est un temps composé, donc encore une fois, nous utilisons avoir, nous utilisons avoir au futur simple. Ici, le futur simple, souvenez-vous, c'est j'aurai haï, hein, pas de S, parce qu'avec le S, c'est le conditionnel. Donc ici, j'aurai A-U-R-A-I, et puis, notre participe passé, c'est lu. J'aurais lu. Ça, c'est la forme du futur antérieur. Regardons, youpi youpi, le passé simple. Thank you.
Alors, je sais que vous détestez le passé simple et nous sommes d'accord que ça n'est pas vraiment très très utile. C'est utile, encore une fois, je l'explique, de l'identifier. Donc, si vous voyez je lu, vous devriez, à votre niveau, l'associer, être capable de l'associer au verbe lire. Ça, c'est fondamental. Ensuite, comme je vous l'ai expliqué, comme je le répète, ça n'est pas nécessaire de le maîtriser pour l'utiliser. C'est-à-dire que la plupart des Français ne vont pas utiliser le passé simple, et surtout à l'oral. D'accord? Donc, ne soyez pas stressé avec le passé simple, mais il faut savoir l'identifier et le connecter au verbe. Voilà. Donc ça, c'est la forme je lus. S'il vous plaît, quelque chose de beaucoup plus utile, c'est le conditionnel présent. Conditionnel présent, première personne du verbe lire, s'il vous plaît. Alors là, nous sommes d'accord que le mode de construction est très 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 comparable au mode de construction du futur simple. Donc, notre radical, notre racine, c'est finalement l'infinitif, mais vous retirez le E, donc L-I-R. Ça, c'est notre radical, notre racine. Et puis, nous allons mettre la terminaison pour je. La terminaison pour je, c'est A-I-S. Je lirai. D'accord? Je lirai, tu lirais, il, elle lirait, A-I-S, A-I-S, A-I-T. Nous lirions, vous liriez. Il, elle, lirait, A-I-E-N-T. Regardons un temps composé maintenant, c'est le conditionnel passé. S'il vous plaît, la première personne pour le verbe lire au conditionnel passé. Alors, temps composé, donc ça veut bien sûr dire que nous utilisons encore et toujours avoir, que nous allons mettre au conditionnel présent j'aurai, et ensuite nous allons tout simplement utiliser notre participe passé lu. J'aurai lu. Allez, le sprint final, subjonctif présent, la forme je pour le verbe lire au subjonctif présent, s'il vous plaît.
Alors, effectivement, je regarde vos réponses et je trouve que c'est très très bien fait, bien écrit. Alors, ici, le verbe lire, et eh bien pour la première personne, ce sera que je lise. Zazaza, donc juste un seul S, faites attention. Donc, que je lise, E. Que tu lises, ES. Qu'il, elle lise, E. Que nous lisions, I-O-N-S, que vous lisiez, I-E-Z, qu'il ou elle lise, E-N-T. Et nous finissons avec un temps composé encore, c'est le dernier temps composé, c'est le subjonctif passé. Alors voilà, donc pour terminer, hein, donc le subjonctif passé temps composé, donc nous utilisons toujours avoir. Avoir doit être au subjonctif présent que j'ai. Et puis après, vous mettez bien sûr le participe passé lu. Donc que j'ai lu. Eh bien, c'est notre forme du subjonctif passé. Je vais le trouver. Allez, merci beaucoup en tout cas. Et puis, félicitations à vous, puisque vous avez vraiment bien trouvé les formes. Donc, vous pouvez être très, très fier de votre performance. Allez, nous laissons derrière nous la conjugaison pour la photo du jour. Et la photo du jour, ben regardez, elle est vraiment intéressante. S'il vous plaît, une petite phrase pour me décrire ce que vous voyez. Alors, c'est Lisbeth qui nous dit, je crois que nous sommes à Tokyo. Souvenez-vous, Lisbeth, quand on introduit une ville, hein, ou un village, on utilise la préposition à. D'accord? On ne va pas utiliser en, au ou au. Ça, c'est pour les pays, mais ce sera à.
Maria Bethania, un beau paysage dans une grande ville orientale. Oui, faites attention, paysage c'est masculin, donc un et votre adjectif doit être au masculin aussi, un beau paysage. Mohana, il y a beaucoup de bâtiments avec un bateau. Oui, Marlène Gonzalez, on est dans une ville de Chine après la pluie. Faites attention, Chine, en français, on écrit Chine. Daria qui nous dit c'est une belle ville sans monde, c'est la réalité de notre époque. La planète se repose après les activités des humains. C'est vrai. Papillon 97, ça ressemble à Osaka. D'accord? Ensuite, Souria qui nous dit le coucher de soleil dans la grande ville et un bateau qui flotte. Nouha qui nous dit d'abord, je crois que la photo est de Chine. Il y a beaucoup d'immeubles, des publicités sur chaque partie et des rivières. Chaque partie est deux rivières entre les deux côtés. D'accord. Engnok qui nous dit, il y a beaucoup de bâtiments dans la photo. C'est une photo au Japon. D'accord. Stéphanie, une fumée dans le ventre. Mais qu'est-ce que c'est que cette phrase bizarre? YouTube Browser, c'est une photo d'un coucher de soleil sur un canal, d'accord? Mélissa Madrid, c'est une ville en Asie, à côté de la mer, peut-être qui ressemble à la belle Venise. Lisbeth qui nous dit une belle ville sur le continent asiatique, d'accord? Yossi, on voit sur la photo les édifices entre lesquels passe un canal avec un pont qui connecte les deux parties. Alors, Yossi, très très belle construction grammaticalement. Vous pouvez vous féliciter aujourd'hui. Alors, champagne pour vous si vous voulez. Victoria, une ville totalement au bord du fleuve. Il n'y a presque pas de trottoir. Une ville complexe pour moi. Très bien écrit aussi. Ensuite, Luciana, il y a beaucoup de bâtiments et une rivière dans cette photo. Hong Kong peut-être. Sapna, une magnifique vue de soirée. Les bâtiments autour du lac, des bateaux avec un X. Peut-être les gens profitent de là dans la période de Covid, peut-être, oui. Ensuite, Yesero, je vois une ville quelque part en Asie. Il y a une rivière en plein milieu de la ville, mais mon Dieu, il y a beaucoup de publicité. Oui. C'est vrai, hein? C'est vrai qu'il y a beaucoup de publicité. Takwa, c'est une magnifique rivière entre des bâtiments hauts. Ouais. Faites attention, Takwa, bâtiment, c'est masculin, donc l'adjectif haut est au masculin pluriel, pas de e. Berilla 71, la dernière lumière du coucher de soleil sur le canal entre des hauts bâtiments. Très bien. Morteza, une belle ville avec des grands appartements qui est à hauteur de la rivière et un beau ciel qui est en train de se coucher. Très bien. I just called. C'est une ville asiatique. Il y a des bâtiments et une rivière et un coucher de soleil. Oui. Très bien. Yossi. Ah, mais non, Yossi. Non, Yossi, on ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner tous les jours. Hein. Ce n'est pas possible, monsieur. Il faut partager. Il faut être sympathique avec les autres. Allez, vous le savez, on fait des dictées. On fait des dictées parce que c'est important et puis ça peut être très très bénéfique. Donc nous allons faire, comme d'habitude, quatre phrases qui seront à des niveaux différents. Donc on va commencer avec le niveau A1, donc qui est le niveau eh bien débutant. Donc je vais lire la phrase deux fois. Il va probablement en parler ce soir. Il va probablement en parler ce soir. Écrivez la phrase, s'il vous plaît.
Alors, première phrase, donc j'avais envie finalement d'introduire du futur proche, donc le verbe aller, que l'on conjugue au présent, il va. Et donc ça veut dire que le deuxième verbe parler doit être bien sûr à l'infinitif. Il va parler. Ensuite, j'avais envie de mettre un adverbe. Il va probablement parler. Et puis mettre un pronom, c'est-à-dire parler de quelque chose. Il va probablement en parler. Et on finit avec ce soir. Donc n'oubliez pas que le verbe parler doit être automatiquement à l'infinitif. Hein. C'est le deuxième verbe. Il n'est pas conjugué. Il est après le verbe aller qui est conjugué. Allez, on continue avec la deuxième phrase. Elle n'y participera plus jamais. Elle n'y participera plus jamais. Alors ici, eh bien, j'avais envie de vous proposer un petit futur, comme on a vu, un futur simple. Le verbe c'est participer. Donc elle participera, hein, comme je l'ai prononcé, mais le e juste avant le r est presque muet. Elle participera, pra-pra. Elle participera. Ensuite, on met une négation, et la négation ne plus. J'avais envie de mettre ça, donc elle ne participera plus. Mais bien sûr, j'avais comme d'habitude envie de mettre un pronom, participer à quelque chose, donc je mets le pronom Y, le I. Elle n'y participera plus, et on finit avec jamais pour enfoncer le clou pour que ce soit encore plus fort. Elle n'y participera plus jamais. Allez, on regarde et on continue niveau B1. Je vais lire la phrase deux fois. Regardez et écoutez. Si tu acceptes, virgule, je serai vraiment content. Si tu acceptes, virgule, je serai vraiment content. Alors ici, en fait, j'avais envie de travailler sur une structure introduite par si, mais alors ici, si plus un présent. Et donc ça veut dire que ici, le verbe accepter doit être conjugué au présent, verbe régulier, premier groupe, tu acceptes, ES. D'accord? Si tu acceptes, et après... Je serai, si vous entendez je serai, ce sera automatiquement le
futur simple. Souvenez-vous, cette structure-là, ce ne sera pas avec le conditionnel présent. Non, 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 c'est le futur simple. Donc ici, si plus présent va être suivi du futur simple. Je serai S-E-R-A-I. D'accord? Donc ça, c'était vraiment la chose importante. Hein. Si plus présent va être suivi ici d'un futur simple. Et puis on regarde eh bien, la dernière phrase et je vais la lire deux fois. Nous ne souhaitons pas que vous puissiez lui parler. Nous ne souhaitons pas que vous puissiez lui parler. Alors, regardons cette phrase. Donc, c'est le verbe souhaiter. Le verbe souhaiter, premier groupe, il est conjugué au présent de l'indicatif. Donc, nous souhaitons. D'accord? Là, je le mets à la forme négative. Nous ne souhaitons pas que. Et donc là, vous savez bien sûr, puisque c'est niveau B2, on va introduire automatiquement un subjonctif. Donc, nous ne souhaitons pas que plus subjonctif. Ici, le verbe, c'est pouvoir. Le verbe pouvoir, bien sûr, j'ai choisi un verbe un peu irrégulier. La construction du verbe pouvoir, en tout cas pour le subjonctif, vous aurez une racine différente, c'est puisse. Que je puisse, que tu puisses, qu'il, elle puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il, elle puisse. Et donc ici, la forme pour vous, c'est vous puissiez, P-U-I-S-S-I-E-Z. Et ensuite, lui parler. Parler doit être à l'infinitif, hein, puisqu'il est après le verbe pouvoir qui est conjugué. Nous ne souhaitons pas que vous puissiez lui parler. Alors, il pense à quoi ? Nous avons fait « Elle pense à quoi ?» et maintenant, il pense à quoi ? Regardez la photo, qui est une photo assez amusante. À votre avis, à quoi pense cet homme ?
Alors, Stéphanie nous dit un éléphant grand, d'accord, un grand éléphant. Lisbeth nous dit, il pense que l'éléphant est imposant. Imposant, c'est vrai qu'il est imposant. Widad, quel immense éléphant, il va m'écraser. C'est vrai qu'il fait peur quand même cet éléphant. On se demande, est-ce que c'est un éléphant ou un mammouth? Non, c'est un éléphant. Si c'était un mammouth, il aurait plus de poils. Ensuite, regardons, Luciana, il pense, je suis dans un rêve. Et oui, c'est possible. C'est vrai que c'est un petit peu mystérieux, hein, quand même, comme situation. Elsa, il pense que s'il va, ne va pas s'enfuir immédiatement, cet éléphant va l'écraser et il va devenir une feuille. C'est possible. Ensuite, Noah qui nous dit, il pense à faire un défi ou bien combattre avec l'éléphant qui est devant lui. Combattre un éléphant, ça c'est courageux, peut-être même inconscient. Victoria Jacques, il pense vous faire, l'éléphant est énorme, d'accord? L'éléphant est énorme, et fait, ah waouh! Ah ouais, en français, Victoria Jacques, oh là là! Victoria Possé, il pense comme je suis petit et l'éléphant est un géant, ça c'est vrai. Morteza, je suis plus fort que toi. Ne t'approche pas de moi. C'est possible. Natalia Guzman, il pense que l'éléphant est très fort et très grand, pardon, et fort, c'est vrai. Bickert, je pense qu'il pense. Où suis-je? Est-ce que je suis vivant un éléphant si grand? Jamais, d'accord? Berilla 71, il va se promener et tomber sur un grand éléphant. Yossi, l'homme est probablement très étonné de voir une grande statue d'éléphant dans le désert. Papillon 97, qui pense, qui dit, ce n'est qu'un éléphant lumineux au bord de la mer, rien de spécial, tout à fait normal. Mélissa, il pense comment il pourrait faire. Ah, pour sauter sur l'éléphant, peut-être. Ouais, Sapna, il pense que je n'ai pas peur de l'éléphant. Je me croise bien. Est-ce que si je me comporte bien, peut-être. Daria, cet homme pense à l'évolution de l'humanité. Est-ce qu'on peut faire pour conserver la vie et tous les êtres vivants? Il a peut-être peur un peu, Daria, quand même. Un tout petit peu. Mohana, il pense comment s'échapper de cet éléphant. Personne n'est là, c'est vrai. YouTube Browser, il pense que je m'enfuis maintenant. Oui. Boris, il pense c'est un géant. Très bien. Boris, attention, c'est C apostrophe EST. Curiosidades, il pense j'ai trouvé un nouvel animal de compagnie. Imaginez, à la maison, ce serait formidable. Sur le canapé, poum, le canapé est cassé. Souria, il pense à le manger. Ah, ça peut être difficile à cuisiner, non? Save the best, c'est un mauvais rêve, il doit se réveiller. Béatrice Christiana, il pense probablement, il voit cet éléphant parce qu'il a très faim et soif. C'est vrai, c'est possible. Yesero, c'est un éléphant gigantesque qu'il voudrait monter. Johnny, il pense à la fille de la dernière photo portant des lunettes de soleil. Ah, mais non! C'est possible. MNM 19, il pense, quelle magnifique créature. Très bien écrit, MNM 19. Alors attention, créature, c'est féminin. Donc, quelle, vous écrivez Q-U-E-L-L-E. Taqua, il pense, il est en face d'un éléphant gigantesque avec une trompe longue. Maria Betania, il pense que tous les problèmes de la vie sont énormes, autant que l'éléphant. Ah ben c'est possible, c'est possible. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces phrases, c'était vraiment vraiment très sympathique.
Alors, vous le savez peut-être, nous avons effectivement lancé ça il y a quelque temps. Donc, vous pouvez gagner un petit cadeau. Youpi, youpi. Je vais penser à un nombre de 1 à 100. D'accord? Vous allez essayer de deviner ce nombre. La personne gagnante va avoir accès à une sélection de cours sur ma plateforme frenchforme.net. Et donc la valeur de ces cours, c'est approximativement, mais un peu plus que 75 $ ou euros. Alors, s'il vous plaît, pas tout de suite, pas tout de suite. Je vais écrire maintenant ici. Attendez une seconde. Voilà. Donc, je l'ai écrit. Il est sur mon papier. D'accord ? S'il vous plaît, soyons corrects. Vous allez juste faire d'abord une seule proposition. Dès que je vois la personne qui a gagné, j'arrête le jeu. D'accord ? Mais une seule proposition, s'il vous plaît. On y va ! C'est Natalia Guzman. Natalia, vous avez gagné, Natalia Guzman. Bravo, c'était 70. Natalia nous a bien proposé 70. Félicitations, Natalia. S'il vous plaît, soyons tous très gentils et nous pouvons féliciter Natalia Guzman qui va gagner sur la plateforme une sélection de cours et j'espère que ça va vous faire plaisir. Alors Natalia, regardez, vous êtes prête j'espère, regardez, donc vous avez gagné. Donc comme vous avez gagné, vous allez sur le site frenchforme.net et vous allez juste vous enregistrer. Okay. Et après, vous allez m'envoyer un message par la plateforme. D'accord ? Je me souviendrai de vous, ne vous inquiétez pas. Et après, je vais vous donner l'accès au cours que vous avez gagné. Bravo, bravo Natalia, vous êtes notre grande gagnante du jour. Eh bien ça, c'était sympa. Allez, juste avant de vous libérer, que se disent-ils ? Regardez ces deux personnes, imaginez ce qu'ils se disent.
Alors, c'est Elsa qui commence. Elle lui dit, si je tombe, je vais te tuer. Ah, mais c'est l'amour, hein, c'est ça qui est formidable, cette douceur et cette poésie entre les gens. Luciana qui nous dit, donc elle dit ou il dit, je t'adore, d'accord. Papillon 97, comment je peux conduire, je ne vois rien. Surya, fais gaffe, je ne veux pas tomber, ça c'est vrai. YouTube Browser qui dit je t'aime, mon ami, très bien. Lisbeth, elle lui dit qu'elle l'aime, d'accord. Nouha, la fille dit je t'aime et son mec lui dit moi aussi ma chère et je suis très content avec toi. D'accord, donc ils ne vont pas tomber, c'est ça, c'est que c'est bien. Sapna qui dit il y a de l'amour dans l'air. Stéphanie qui nous dit une femme et un homme sur un vélo. Oui, Victoria Posse, la femme lui dit de faire attention. Moi je pense aussi que il y a quelque chose là-dessus sur la sécurité. Elle doit lui dire quelque chose, fais attention. Ice Cubes, ils disent je t'aime l'un l'autre, d'accord. Yossi, il veut la conduire dans la nature et lui, elle semble d'être contente effectivement de ça. Morana, je pense que c'est un couple amoureux, très bien. Bickert, ils disent aujourd'hui il fait beau ensemble. Nous sommes trop heureux comme d'autres personnes. Ritou, nous sommes amoureux et nous sommes chanceux de passer un bon temps ensemble. Très bien. Boris, ils disent, elle lui dit, je t'aime et il dit, moi aussi, je t'aime. Très bien. Daria, cet homme n'est pas très fidèle, malheureusement, cette fille qui est tombée amoureuse avec lui, donc elle ne remarque rien de mauvais car l'amour la rend aveugle. D'accord. Béatrice, ils se disent qu'ils s'aiment beaucoup, qu'il y a une belle journée pour le cyclisme. Très bien. Nathalie, qui est la gagnante. Youpi! Encore Natalia, pardon Natalia. La femme lui dit pas trop vite, mon amour, je vais tomber. Oui. Victoria Jacques, elle lui dit non! Après qu'il lui a dit de descendre de son vélo, elle ne veut pas marcher, c'est ça en fait. Yessero, il lui dit de descendre du guidon car elle est trop lourde. Yessero, on ne dit jamais ça à une femme. I Just Called nous dit, il chante Fly Me to the Moon. Oh là 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 là. Alors, attendez, regardons ensemble. Je vais tout remonter. Voilà, comme ça, ce sera juste pour vous rappeler que la nouvelle série, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai envie de la faire avec vous parce que je pense que ça peut être vraiment très, très sympathique. Donc, je vous répète, si vous voulez participer, enregistrez une vidéo dans laquelle vous allez prononcer la phrase de la semaine. Vous envoyez cette vidéo à l'adresse pronounce at fluentoplus.com et je vais faire une vidéo avec vos clips, avec moi aussi, et je vais commenter, je vais vous donner des petits conseils. Donc ça va vraiment être très positif, hein. Comme d'habitude, l'idée c'est vraiment de vous aider à bien prononcer. Donc la phrase de la semaine, eh bien c'est celle-là. Je voudrais visiter la France, mais c'est difficile en ce moment. Donc, si vous voulez participer, bah écoutez, ça me ferait très très plaisir et je pense que ça peut être assez assez amusant. Merci beaucoup en tout cas. Passez un bon dimanche. Demain, je me repose. Je me repose. Donc, nous n'aurons pas cours. Rendez-vous lundi si vous voulez, ou mardi, ou mercredi, ou jeudi, ou vendredi, ou samedi. Au revoir et bon dimanche.